ça va. Attendez d'abord, s'il vous plaît, attendez. Est-ce que c'est pas de l'autre côté là-bas? Tu laisses la nage en sortant par ici. Tout droit. Mais ça c'est le temps. Il faut rentrer, reste derrière moi. Pour rester derrière moi. Voilà. Vous êtes dans mes chambres. Non, c'est bon, monsieur. Non, laissez-le dans votre coin. Est-ce que tu peux?
Sinon ça c'est mon truc, je suis venu avec ça. Ça c'est nous, c'est pour nous. Non, non, oui, oui. Oui, non, monsieur, moi j'ai pas trouvé quelqu'un là. Non, je sais pas. Non, 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 non. Monsieur, mais vous parlez, vous n'hésitez pas à écouter aussi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعون Excellence, Monsieur Al-Hajj Alassane Ouattara, Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers parents, tous en vos rangs, grande et qualité, je vous adresse le salut fraternel, le salut des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort a encore frappé. Oui, la mort a encore frappé. Mais c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste. Dieu, l'unique, le suprême, mais le miséricordieux et le tout miséricordieux. Il a créé sans être créé. C'est lui qui met fin à l'existence des créatures. Mesdames et messieurs, nous sommes là cet après-midi, hommes et femmes, guides religieux, chefs, coutumiers, hommes politiques, tous rassemblés derrière notre père, le chef de l'État, Alhassane Ouattara, pour accueillir la dépouille de notre frère Ahmed Bakayoko, Ambak, le Golden Boy ou d'autres, qui est parti d'Abidjan vivant. Oui, qui est parti ici vivant. Et qui nous revient dans un cercueil. Oui, dans un cercueil. Ahmed Bakayoko est venu en Côte d'Ivoire.
mesdames et messieurs, la caisse que vous voyez devant nous, emballée du drapeau de Côte d'Ivoire, dans cette caisse, il y a votre frère, le premier ministre, le ministre de la Défense, Samata Kayogo, qui est couché là. Seigneur, Allah, on aurait voulu, on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie, et accueilli par son père. Alassane Ouattara, à ses côtés, maman Dominique Ouattara, et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autrement. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, car ta volonté est la justice. Mesdames et messieurs, Dieu dit dans le verset 88 de la sourate 28, « Il n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui. Tout périra sauf son visage. » Oui, tout périra sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui, vous serez ramenés. Mesdames et messieurs, Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre, ni si c'était l'argent, je ne pense pas qu'il serait parti. Oui, si c'était l'argent ou l'argent, si l'argent pouvait le retenir avec nous, il ne serait pas parti. Mesdames et messieurs, à nous de répondre à cette question donc. À qui le tour prochain, puisque nous allons tous partir. Le verset a dit, tout périra sauf le visage de la Subhanahu. Ça veut dire que nous allons tous partir de cette terre. La réponse est toute simple. Après toi, comme si le tour était à toi. Oui. Sache que cette vie est très fragile et éphémère. La vie est très fragile. Vis ta vie comme ta religion et ta foi te recommandent. Mais n'oublie pas ce jour où tu seras couché devant le monde comme l'est aujourd'hui notre frère, notre père, notre ami, notre premier ministre, Ahmed Bakayoko. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, il est donc temps qu'on se donne la main pour prier pour ce pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très frappée, est très éprouvée dans ces derniers temps. Les personnalités de valeur qui se succèdent, c'est dur, c'est même très dur, surtout pour le chef de la famille, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a vu partir ses très proches collaborateurs, à commencer par le chef Kwame Fofana,
Ensuite, le Premier ministre Amadou Koulibaly. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, Sidi Kikakité. Et nous voici aujourd'hui en train d'assister le départ vers l'autre monde, notre frère Amadou Bakayoko. Ce n'est pas trop pour Dieu. Oui, ce n'est pas trop pour Dieu. Mais c'est lourd pour nous en tant qu'êtres humains. Nous allons donc prier pour lui, pour l'accompagner dans la marche, son cheminement vers son Seigneur, vers la vie éternelle, en quittant cette vie éphémère. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزدق احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je crois que c'est un peu plus grand que ça, on a ce jeu. C'est pas un peu plus grand que ça, on a ce jeu.